Gagnez, je ne connais là, guerrier, yon premier contingent policier kenyan qui débarqué dans le pays, particulièrement dans Port-au-Prince. Et en pile média, ici, dans l'autre bord de l'eau, il vient d'annoncer une nouvelle là. Eh bien, hier mardi 25 juin, dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité, il y a une première troupe qui a débarqué dans le pays à bord de un avion, compagnie Kenya Airways. L'avion a atterri aux environs de 9h20-22h, comme ça. Depuis bien bonheur dans le matin, toute disposition était en prend dans les parages de l'aéroport international Toussaint Louverture. On a parlé de dispositions sur le plan sécuritaire, notamment. Et officiers kenyans, les âmes dans les mains, les valises dans les deux, monsieur descend. Dans l'avion en guerrier. Il y a plusieurs responsables dans le pays, ambassadeur américain. Il y a là, capitaine monsieur. Il y a de l'autre monde qui t'a accompagné, probablement c'est des employés civils mission, si nous avons dit le conseil guerrier du seul. Mais il y a un navire qui t'a attiré, attention nous. Les messieurs ont descendu en avion. Ils ont passé plus que 45 minutes, jusqu'à une heure de temps, sous Tamaka. Ils ont fait des allées-venues, des va-et-vient. Ils ont fait des pas, ils ont chanté, ils ont dansé, des rapports en main, etc. Vous avez dit. Et nous ne devons pas comprendre ça, qu'il y a une affaire. Probablement c'est rituel, on connaît. Mm-hmm. Et nous avons point où on testé sous ta macra. Cérémonie. Cérémonie. Nous devons estimer ces blagues qui sont dans le gabrien. D'ailleurs, même yo, très sérieux. Mais il y a l'autre ami qui dit l'on quitte la carrière, probablement, on quitte la carrière pour qu'on perd 10e, mais pour qu'on connaît qui ça sale va bien, et va danser, qu'il y a une danser encore. Et les gars, les vies, quoi, pas tellement. En tout cas, après environ une heure, il y a des autobus qui te viennent prendre monsieur. Je me dis, monsieur, où est la femme là-dedans? Où est la fille? On a parlé de. Policier. Policier ou militaire. Est-ce que vous avez la fille? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un employé civil. Oui. Non, ouais. Ouais. Ouais, fille. Oui. Je ne sais pas que dans officier. Yo. D'ailleurs, chef de délégation, moi, c'est son femme. Fille. Son femme, son femme. Mais information qui veut jouer nous, on confusion hier, il y a autour de chiffres et 400. Et si nous avons fait information sa confiance, il est très probable pour ces 200 qui rentrent hier. Oui, même si on a annoncé effectivement, il y a de l'autre groupe après rentrer à partir de demain si Dieu veut tout. Et ceci jusqu'à 29. Oui. Comme c'est déploiement progressif, probablement 400 à parler là, il doit être dans les deux premiers jours. Oui, possible. Mais j'en joue là, et il était annoncé qu'il y a 400 policiers qui viennent rentrer dans le premier déploiement ou bien dans la première phase là. L'information qui arrive jeune nous fait que c'est à 200 qui rentrent hier. Mais ils ont annoncé tout, l'autre déploiement pour demain, le 27 là, et également pour. Le 29 juin, cap ville là. Et n'a pas changé, c'est pas seulement Kenya qui a gagné pour déployer dans cette mission ça. Gagné des monde qui a sorti Bénin également, et des soldats qui a sorti dans pays Jamaïque également. Et des soldats qui a sorti et Bahamas, gagné qui a sorti Belize, gagné qui a sorti Barbade, gagné qui a sorti Antigua, gagné qui a sorti Bangladesh. Ouais. Pour ne citer ça seulement. Sauf que si c'est Kenya qui chef mission ou bien qui gagne leadership mission, ou d'accord, c'est lui-même qui est doué
lancer ce signal là. Du moment que il a fini. C'est ça qui fait. Fini là, donc c'est certain l'autre pays pour en boiter le pas. Yeah. Nous noter une égo et cap danser. Et au contact. Je ne dis pas, nous ne pouvons pas rentrer dans le cadre rituel, nous devons chanter, chanter, débattre, nous sommes là même. C'est nous même dans notre pays, nous devons dire, éloignez-nous, nous avons pris les. Pas tous viennent de nous, c'est même. Oui. Même nous entrons, même nous même. Vous comprenez? Mais nous avons grand pile par terre. Plusieurs réactions, beaucoup de communauté internationale là, par rapport au premier déploiement de sa guerrier de seul. Les États-Unis qui sont censés réagir dans tout compartiment, hein? Majorité gros chef américain qui réagit par rapport à ce qui fait hier là. Il était Joe Biden, le président américain. Il était ambassadeur américain dans le pays d'Haïti. Il était secrétaire d'État américain Anthony Blinken. On cite ça seulement. Il était tout des responsables au niveau de la République dominicaine. Ils sont tous sous une forme ou sous une autre. Saluer arrivé première troupe kenyane dans le pays d'Haïti. Par exemple, un communiqué qui sorti qui montrait que Joe Biden lui dit lui exprimer alors les gratitude li envers tout pays qui quand même te promettre soutien et dans cadre force multinationale là que c'est pour bail monde, que c'est pour bail l'argent ou bien pour bail équipement. Et je ne connais les États-Unis les mêmes nous t'a expliqué ça récemment la campagne dans devant comme maître mission et c'est yon nan pi gros pou pa di principal contributeur et force la guerrier avec bien sûr un montant de $300 million américains et nous t'ai parlé tout dans l'autre peut-être $60 million tout pour question équipement. Et bien Joe Biden annoncé que il a continué et pèlerinage ou bien campagne et que a été initié déjà pour capable encourager plus pays y rentrer dans la bataille, ou est-ce qu'ils sont capables de supporter Costa et puis permettre que le bail résultat. Vous considérez Haïti comme un bon ami, un bon voisin. Je ne sais pas moi qui parle, je ne sais pas qui parle, je ne sais pas. Donc, vous estimez que vous devez venir porter un pays à ce coup dans une situation difficile. Là, là. Vous expliquez ça, l'ambassadeur américain était présent et a accueilli Monsieur Kenyayo, mais parallèlement, il y a le ministre des Affaires étrangères au niveau de la République dominicaine, qui lui-même retiré chapeau lui en bas, pour lui saluer rivé officiel, hein, mission que Kenya a bien pour diriger dans le pays. Et il dit que mission ça était très attendu. Il n'y a pas de qui joue, qui l'est, mission ça est venu. La République dominicaine, papa. T'as parlé. T'as parlé, oui. C'est comme si on t'avait une mission en basé, non? Il dit que mandat résolution 26-99 Conseil sécurité des Nations Unies est finalement concrétisé et réaffirmé sous la solidarité internationale et que il a toujours fait monte avec le peuple haïtien. Et c'est ça, chancelier dominicain, il a me déclaré sous compte X-Li hier mardi. Il a binu également. Il est même salué première étape ça dans le déploiement force là. Il y a un responsable binio qui a même clairement dit que force ça ou bien en guise de rappel là pour soutenir pour police nationale là, ils sont étape cruciale dans bataille pour établir la sécurité la capitale haïtienne avec environ yo puis protéger droit haïtien yo. Donc binio dit l'espérer que ensemble déploiement mission 1, Jean ça autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, il a l'a réalisé dans pas trop longtemps et également yo croit la bail résultat escompté. C'est pas nous même en Haïti qui va réagir. Le premier ministre Gary Conning, c'est ça c'est lui-même qui inauguré vini Costa officiellement. Nous rappelons hier en conférence conjointe Gary Conning lui encore une fois montré le très content par rapport avec force là qui officiellement et effectif dans le pays avec l'arrivée de le premier contingent et des policiers kenyans guerriers. Il dit l'exprimer gratitude li tout envers le gouvernement kenyan. Il remercie d'une façon spéciale et particulière le président William Ruto pour Jared, pour engagement li envers Haïti. Il a parlé notamment dans un moment difficile ça yo,
pays a traversé, il dit yo remercier peuple kenyan pour solidarité yo à peuple haïtien. Gary Conick a parlé toujours, il croit que son opportunité unique pour deux peuples yo qui séparés par des océans mais qui liés par l'histoire pour capable solidariser yon l'autre dans moment ça. Et chef gouvernement fait déclaration ça yo dans moment côté il t'a parlé avec journaliste bon côté chef délégation kenyan là n'a parlé là de madame Monica Juma. Oui, oui. Premier ministre tout aller plus loin pour te souligner à quel niveau solidarité ça est important pour le pays a. Et li croit que guerrier initiative ça c'est quand même un commencement l'autre histoire pour le pays a, l'autre vent pour souffler et sous pays a. Donc Gary Conick pas caché contentement, pas caché enthousiasme par rapport à l'arrivée des policiers kenyans. Nous te dit c'est Thomas Nui guerrier pas plus tard que hier qui 11 amis qui ouais qui dit comme ça ou toujours Saint Thomas donné ou bien ou bien pour Saint Thomas on dit là on dit plus ou moins on a Saint tombé on a au Thomas toujours on a l'action peut-être que Saint Thomas pas dans les vous dire face de mission non tant qu'il puisse sérieux et guerrier du seul. Et pour nous autres, c'est un signal, hein? Puisque tu as des gens qui étaient très sceptiques par rapport avec Jean Otap pour reporter d'Akio. Notamment moi-même comme citoyen. J'ai clairement dit que les forces là viennent, ma quoi. Effectivement, là viennent. Mais maintenant, c'est un homme va tomber avec l'arrivée de ce premier contingent guerrier. Parce que moi-même, même j'en parquette l'autre citoyen, ça qui intéresse, ce n'est pas la présence policière qui est. Ça qui intéresse, ce n'est pas le déploiement. Yo. Ça qui intéresse, c'est le guerrier du seul. C'est pas avion qui pourra pas atterrir pour porter délégation moun qui fait partie mission. C'est pour ça qui intéresse. Peut-être que ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça qui intéresse même j'en paquet mandat pays à guerrier de seul, c'est les résultats. Et pour qui résultat? 1000 policiers, 2000 policiers, 2500 policiers, Burundi, Bénin, Bangladesh, Kenya, c'est pour ça. Ce qui nous intéresse guerrier de seul, c'est oui ou vini ou qui ça y vini. Par exemple, un ami hier, il dit non, est-ce que monsieur Kenya a commencé à travailler là, à bataille là, est-ce qu'il est dans la rue, etc. Donc, on a dit ça comme ça. Mais, il dit le tout par rapport avec ça, à tête là. Ouais. Et bien, si Saint Thomas peut-être n'a pas bon, bon niveau dans la question vini, premier tout plat, mais l'autre niveau tout, dans qui ça, résultat au bralier dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Dans les prochains mois, guerrier du seul. Yes. Même si, on d'accord tout. Les gars, on y a pensé. C'est vrai, mission a commencé officiellement hier, mais les gars, on y a pensé avec. Opération, il y a commencé. Avec les contingents à venir en tout, et puis, il y a commencé à lancer là. Il y a commencé bataille, etc. Ma femme, je comprends, guerrier. Lise son phase. Et phase ça, il va demander que, à mesure, pour lui, il y a une adaptation. Parce que n'ayez arrivé dans le pays, il y a le montré côté oyé, côté applaudi, pour y chita parler avec de vis-à-vis, pour bayo des informations, etc. Regardez qui ça va yoyé, en attendant que l'autre groupe vienne, pour concerter, pour définir un ensemble de bagages, et puis après ça, pour y opérationnel. Mais ça va être fait dans une semaine, ça. Il va être fait dans deux semaines, tout également. Avant de comprendre. Oui. Mais il faut que bon début, il faut que bon côté va la commencer guerrier de seul. Donc voilà pourquoi nous croyons ça que fait hier là, ça qu'a fait demain, ça probablement qu'a fait dans fait semaine là avec arrivée nécessairement. Au pire, lycée ont étape importante. Oui. Dans processus là. C'est clair. Mais ça va vouloir dire pour dans toute bagarre qui est en la rose là, donc monsieur va dans la rue, monsieur va rien temps opérationnel, il va battre avec la police là, avec l'armée, va attaquer gang etc. Donc nous on était réaliste à la fois. Donc c'est quand même des illusions. Et puis nous te promettre mon yon de dit une fois mission venir dans semaine là nous pour regarder qui ça qui en dans document que Haïti signé avec Kenya. Et c'est document ça qui baille statut mission. J'ai parlé de ça dans commencement semaine là quoi guerrier. Document ça que Haïti signé à Kenya yo déposé au niveau de l'Organisation des États américains, OEA. Et ces documents, ça a tout qui dit, mais limite action chaque grand monde qui est dedans. Mais qui ça y a fait, mais qui ça y a pas fait. Et si vous faites des bagages tout,
dans l'exercice fonction, mais qui ça arrive. C'est lui-même qui dit, mais qui avantage, mais qui privilège. Et au monde qui est dans la mission, ça, lui-même lui jouit. Et ça qui paraît pour Tijan plus intéressant, c'est que ni étrangers, ni les gens pour recruter localement. Localement. Parce que vous pouvez recruter des gens qui travaillent avec vous là. Donc, il y a les soldats ou bien les policiers étrangers dans le cadre de force là. Il y a les policiers kenyans ou bien les soldats kenyans. Mais parallèlement, il y a de l'autre monde qui a recruté sur place pour régler de l'autre bagaille. Pour même se sentir avec la mission précédente là, qui c'est la MINUSTA. Dans le document, ça, guerrier du seul, nous-mêmes, nous pas noter toute bagaille, mais nous noter quelques éléments, nous pensons qu'il y a d'importance capitale, que nous sommes capables de partager avec les amis auditeurs, les amis internautes. Nous t'ai expliqué ça déjà avec précision ambassadeur Dupou. Et bien, nous t'ai expliqué en tant que ça qui joue entre le Kenya avec Haïti à travers le document ça, lit quand même. On étape tout et les destiner pour clarifier les termes sous lesquels trop yo pral gagner pour intervenir et pral gagner pour comporter autour pendant toute mission. Question qui a rapport avec opération militaire, comment y a opéré, question localisation basio, côté basio à pied, qui j'en basio à configurer, etc. Accès à un ensemble de services, etc. Pourquoi on a noté guerrier de seul? Dans le document ça, document qui c'est accord qui signe entre Haïti avec Kenya sur statut mission, un ensemble de privilèges et immunité du personnel mission les mêmes les jouit et c'est l'État haïtien qui garantit. Côté un ensemble de privilèges et immunité. Le personnel mission en jouit et c'est l'État haïtien guerrier qui a une responsabilité pour garantir et privilège à eux ensemble avec immunité à eux. Par exemple, un point qui dit dans le document, tout personnel mission en guerrier, que le personnel yo recruté localement, que le personnel yo venu avec le guerrier, yo tout net joui de sa relé immunité de juridiction. Ou quelle que soit action ou bien zak yo posé dans cas d'exercice fonction officielle. Même ça yo dit, même ça yo écrit hier Jésus. Pour noter ça nous dit. Oui. Dans document ça gon point qui dit tout personnel mission même ça yo recruté localement hier. Yo tout net joui de immunité de juridiction pour tout zak yo posé dans exercice fonction officielle yo même ça yo dit même ça yo écrit et ça nous doit noter immunité ça aller plus loin même le yo pas fait partie de mission encore même le mission pas ta employé encore yo Jésus seul toujours joui de immunité ça. Ça veut dire même là au pas en mission encore. Oui. Elle a parlé de citoyens haïtiens également ou du moins c'est bon me prendre pour point en dit guerrier tout personnel MMSS ou bien MMAS là dépend de soit utiliser ça puis ou bien soutien. Y compris personnel yo recruté localement yo tout jouit de immunité de juridiction pour tout zak yo accompli dans exercice fonction yo. Y compris parole yo ak sa yo écrit. Yo di immunité ça a gagné effet même lorsque moun sa yo ki nan mission yo pa fait partie personnel mission encore ou bien mission pa employé encore. Bien entendu yo ajouté et après que gen l'autre disposition nan présent encore il est même expiré. C'est probablement nan document d'un côté yo di mais disposition yo prend mais sous qui période li étant voilà. Oui alors c'est ça qui était mission li durer un an par exemple oui. Et puis dans un an yo revoir mon mission toujours là OK ça veut dire mon ça toujours joué toujours gagner même immunité OK là on a parlé de document on a parlé il y a des l'autre point nous souligner
dans l'accord sa guerre de seul, il dit si gouvernement haïtien li estime gen un membre dans personnel mission qui commet une infraction pénale, eh bien gouvernement a informé commandant mission dans les meilleurs des délais. Il a présenté commandant tout élément de preuve que il gagne et personnel mission ça moun ça qui concerne ya li a soumettre à juridiction exclusive état pour te le soutien à guerrier pour ça concerner infraction pénale ça qu'il commet mais qu'il t'a commet dans pays d'Haïti. Ça veut dire guerrier du chef nan point ça. Yo dit si gouvernement haïtien estime gon membre dans personnel mission guerrier qui commet une infraction pénale, soulignez ça pénale, eh bien gouvernement a bien pour informer commandant mission dans les meilleurs des délais avec bien entendu des éléments de preuve et ça paraît. Et puis c'est commandant lui-même guerrier du seul qui va aller guerrier pour prendre moun ça pour soumettre à juridiction exclusive l'état là pour un acte qu'il t'a commet en Haïti. C'est pas en Haïti non y a vigile. Et ça oui, c'est pas en Haïti. C'est blanc dit pas moi même qui dit non. On a les guerriers. Je dis gouvernement haïtien l'a informé commandant immédiatement la nonan action civile de toute action civile qui est tentée contre un membre personnel mission devant un tribunal Haïti. Et commandant lui-même l'a certifié par la suite par tribunal là si affaire la liée ou non à fonction officiellement blanc. Maintenant petit a, si commandant mission certifié que affaire la liée à fonction officielle moun ki dans mission, eh bien tout ça qui dit dans akwa a appliqué derrière de seul l'a appliqué et tribunal là tout a tout compétent pour continuer et suivre ou bien traiter affaire là. Maintenant petit b derrière de seul petit b a dit comme ça que si commandant lui-même il certifie que affaire n'est pas lié à fonction officielle intéressé à guerrier de seul, le tribunal a continué et dossier et a fait la suivre. Maintenant dans cas ça tribunal yo ak autorité dans pays d'Haïti y a bail mon personnel la possibilité suffisante pour capable préserver droit li conformément à sa relé garantie d'une procédure régulière. Maintenant qui ça veut dire si commandant lui-même on parle de commandant mission il certifie que bon membre dans personnel là qui pas en mesure pour défendre tête li guerrier soit par rapport à fonction soit par rapport à responsabilité soit parce qu'il pas disponible pour défendre intérêt devant tribunal la guerrier et s'y intéresser à lui-même il fait demande là et que capable suspendre procédure là jusqu'à ce que mon lui-même li disponible au tribunal là même pour une période qui pas dépasser 90 jours d'après ça qui écrit dans accord en Haïti avec. L'autre point, yo dit comme ça que document n'a pas lié à là. Il dit gouvernement haïtien li bail mission à personnel mission contractuel mission une série de privilèges, nous t'expliquer ça, immunité, des facilités, des concessions selon un ensemble de conventions. État qui a participé dans mission ça y a besoin pour servir bien yo et l'argent a besoin fonds y a besoin MMS la personnel li tout net a besoin de privilège ça de immunité qui parlait dans accord. Gouvernement haïtien la facilité entrer dans pays d'Haïti la facilité que rete dans pays a la facilité moun yo sorti dans pays a parler de personnel MMS là sans délai ni entrave y a de seul y a simplement informé de mouvement. Mais après ça, il y a une pièce formalité de passeport, de visa. Vous comprenez, il n'y a pas des inspections pour le faire au niveau de service immigration. Okay. Par contre, vous comprenez. Et il y a des restrictions tout service immigration ici, mettez. Donc, les gens ne sont pas concernés. Ils ont une série de l'argent tout
yo kon payer pour aller entrer ou bien la sortie étranger a faire aller venir dans pays a et bien moun ki nan mission va gon goudi a payer. Par contre il suffit que au courant qu'il a déplacé donc il va gon dollar, il va gagne visa d'entrée etc. Gouvernement haïtien derrière de seul et d'après ça qui dit dans le document, il convenu que le commandant mission a gagné pouvoir guerrier pour arrêter membres personnel l'IA qui coupable d'une grave infraction par rapport avec politique et puis directive mission en matière de sa déontologie, discipline. Et immédiatement, il a fini d'arrêter Mounsa, il a fini d'identifier Mounsa, il a voué tout Mounsa, bon côté autorité l'État pays de déployer pour être capable de prendre mesures disciplinaires adéquates en fonction de ça yo fait. Mais ça veut dire que si gagne un monde dans mission violon principe ou bientôt qui ont mauvais comportement qu'il y a question d'autologie ou bien qui allait à l'encontre de l'ensemble des directives qui débaillent de politique mission guerrier du seul, le commandant mission doit arrêter lui et puis voyer la caille et te voyer la voyer bali et eux même y a comme ça à faire avec. Il a pris une mesure disciplinaire en mesure de. Et conformément à ça le faire. On a toujours guerrier. Le gouvernement haïtien reconnaît droit MMS la gagne, contractuel li yo gagne, ou yo fait rentrer dans le pays, ya, que ce soit par voie maritime, que ce soit par voie aérienne, que ce soit par voie terrestre, guerrier. Bien entendu, avec certaines franchises de droits et de taxes et de redevances, ça côté l'autre petit charge, et sans pas gagner ni interdiction ni restriction, tout élément ça va nous pas le citer là-haut. Équipement, provision, fourniture, gaz, matériaux, avec l'autre bien, et probablement il y a gagné pour utiliser pendant la présence sur tout territoire haïtien. Gagné pièces de recharge tout. Par exemple, si vous avez des matériels qui ont servi, il mérite que vous ayez des pièces que vous allez acheter pour vous à l'étranger pour ranger aussi vous tombez en panne. Donc, en temps normal, vous avez passé par la douane, etc. Dédouané, et bien, une exonération, vous avez bénéficié. Maintenant, ça qui n'est pas dit dans le document, est-ce que l'exonération est totale ou bien est-ce que c'est partiel? Par contre, mais ça qui est certain, vous avez une franchise pour l'élément. Équipement, provisions, fournitures, gaz, matériaux, applaudis bien, pièces de rechange avec moyens de transport qui destinés, attention, hein, à l'usage exclusif et officiel de la mission. Là, c'est pas pour le personnel, vous voyez. Yes, okay. Et si vous voyez des bas à l'étranger là, il y a parce qu'on est dans la mission aujourd'hui, ou pour dire pardon, ou qu'on rentre avec le jonvelé, l'ovelé. Il faut qu'il y ait un rapport à la mission. Exactement. Faut son vous voyez à l'étranger, mais ça, qui a sorti dans notre pays pour entrer dedans. Et il y a fonction bagaille qu'on va utiliser dans le cadre mission. Yes. Et dans le cas contraire, on va obliger et passer par couloir normal. D'après le document tout, Haïti décidé établi dans les meilleurs des délais, et ceci à des fins d'appui pour supporter mission 1, un ensemble d'installations temporaires de douane destinées à mission 1 dans des lieux pratiques. Et mission 1 lui-même l'a fréquenté. Et c'est des lieux côté eux-mêmes, il y a un trop déplacement. Il a fait guerrier de seul. Et ça, ils viennent comprendre que l'exonération pas lié probablement lié les partiels. Okay. Parce que dit côté eux, il y a metté des infrastructures de douane guerrier temporaire, c'est-à-dire là on parle après tirer. OK, pour faciliter exactement. Okay. Exactement. Okay. Vous commencez à comprendre. On observe. Et il y a tout reconnaître droit pour établir et puis kembe exploiter souvler ou ensemble de sa ou elle économa dans siège mission, dans le camp de théorie, dans le poste côté au cantonné, bien entendu, au bénéfice de monde qui est dans la mission. C'est-à-dire, si vous avez besoin de payer, si vous avez besoin de gérer, vous ne pouvez pas rentrer dans la dynamique, même si n'importe citoyen ordinaire dans le pays, vous avez des infrastructures comme ça, vous pouvez mettre dans le camp, vous pouvez mettre dans la base, etc., pour faciliter les choses, notamment dans la question de ça, on a parlé là. Et économa, ça, vous êtes capable de fournir des biens de consommation et d'autres articles à définir, à signaler par avance au gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des bagages qui ont besoin comme service, il y a des bagages qui ont besoin comme bien, notamment bien de consommation, mais de l'autre article.
infrastructure qui mettait dans le camp. Donc il y a juste simplement annoncé le gouvernement ça à l'avance pour dire mais ça a besoin et il a mis le disponible pour yo. Commandant mission a pris toutes mesures nécessaires pour capable éviter abus économiques ça yo, toute vente ou revente de ses biens à des personnes autres que le personnel de la MMAS. Il a tenu compte de observations à demande gouvernement concernant exploitation économiques ça yo. D'après ça, nous lit en dans accord. Donc ça veut dire si gagne des bail facilité ou même comme ma mission comme gagne yo gagne droit gagne mauvais messe je vais d'accord pour prendre par exemple on dit gagne on disposition pour qui faciliter bien bidon ça guerrier du seul gagne parce que c'est ma personnel mission parce que ma travail mission mais le fait que me joindre chance gagne j'aime gagne là m'a pas appelé mal vous vendre donner qui sont citoyens ordinaires interdit ça OK Barreau, je comprends. Il est interdit ça. Ça veut dire que c'est pour utiliser. Le. Oui. L'autre disposition qui prend en dedans document ça, guerrier du seul, il parle tout de gouvernement haïtien qui reconnaît et droit mission à contractuel lié pour capable. Réexporter ou bien de céder d'une autre manière ses biens, équipements, y compris les pièces de rechange et moyens de transport, dans la mesure où ils sont encore utilisables, ainsi que les provisions, les fournitures, les matériaux, les carburants et les autres biens non consommés qui ont été importés ou dédouanés de cette manière et qui n'ont pas été transférés ou cédés d'une autre manière à des conditions préalablement convenues aux autorités locales compétentes d'Haïti. À toute entité nommée par celle-ci. Mais ça veut dire en substance. Mais si vous voulez, bah, là, dans quel processus, vous même faire entrer des dans le pays, bien antique, matériel ou autre. On résout pour l'autre, il n'est pas servi, mais il est toujours utilisable. Vous avez droit à tout pour réexporter. Par contre, vous avez dit, mais ça veut dire, guerrier du seul. On dit, vous faites un bidon, ça veut dire. Ok? Maintenant, pour une raison bien pour l'autre, il n'y a pas de faire avec. Okay. Mais il est utilisable. Le gros procédure est tracé, puis il y a un peu de encore. Peut-être retourner dans le pays. Oui, le procédure pour ça. Okay. Ouais, dans la mesure où ils sont encore utilisables, il y a parlé de provisions, fournitures, matériaux, carburant, à plot bien, il n'y a pas arrivé à consommer, qui était importé ou dédouané de cette manière, le procédure est tracé, et qui pas transféré ou bien cédé en l'autre manière. Ça veut dire qu'il n'y a pas devenu tout. Trouver ban ou bien qui va devenir. Par contre, vous comprenez? Yes. Maintenance là qui gagne dans ça. Quelqu'un qui doit faire la rentrée dans quatre missions, l'entrée pour lui. Et puis la voie il dans le pays. Par contre, vous comprenez? Donc, on a un. À d'autres fins. À d'autres fins. Donc, on a une procédure pour. Oui, ou bien la fête vini, il n'est pas respecté la procédure normale pour le venir. Et puis, il prend les mêmes le fait qu'il a un droit pour le. Al-Voué l'allée. Ok. C'est ça que Yobete des balises. Ok. Et le gouvernement haïtien, d'après APOA, il garantit que le local qui est attribué à mission est inviolable et il soumet à autorité et au contrôle exclusif de mission. Et l'État haïtien tout garantit un accès permanent, direct et immédiat à local ça yo lorsque mon personnel yo même yo posté dans même local avec la police d'Haïti. Ça veut dire local qui est attribué à mission hein, yo inviolable. Donc on pas rentrer ou même j'en veux dans espace ça. Dans espace ça. OK? Et monde qui gagne autorité là-dedans c'est mission hein, seulement. Et puis garder d'avance par exemple, on juge doit avancer qu'on va dans l'alvé cour. Il va rentrer pour l'exercice fonctionne. Ou même bien on pas connait. C'est un cours c'est ambassadeur. Yeah. Espace inviolable et on dit tout si on local comprenez bien qui gagne policier qui gagne membre mission guerrier donc vous avez accès permanent direct et immédiat à local ça vous pas voir venir dire qui est sur il est tel pour faut passer et puis son membre mission même si gagne policier là vous pas rentrer là vous les leader dit vous accès permanent direct et immédiat. Ah, on se comprend. Je dis sauf disposition contraire, à présent à quoi, côté État participant concerné, capable de statuer
conformément à disposition pertinente sur tout désaccord ou toute réclamation qui relève de droit privé qui pas gain pour avec dommage qui imputable à impératif opérationnel mission 1 côté MMS là ou bien MMAS là ou bien membre personnel lié à lui-même ils sont partis à l'égard de Souvelet et de ça tribunal pays d'Haïti eux-mêmes il va incompétence OK en raison de disposition dans présent accord mais ça veut dire guerrier du seul si tu as un désaccord par exemple on dit mon entrer l'élevé ou d'accord on a entrer l'élevé etc parce que il y a accès permanent direct et qu'on y a si tu as un bagage privé tu as une discussion ton agent ou agent comprenez si tu as gagné on bagage qui pas gagné pour avec mission à guerrier du seul et bien qui ça passé il dit de bien oui même là encore tribunal pays d'Haïti il a des compétences pourtant des cas pourtant des okay. Vous comprenez c'est mission hein guerrier du seul vous comprenez c'est MMS là a gagné pour intervenir guerrier et il dit tout ça qui pas prévoit en d'accord par rapport avec tout désaccord que tu as gagné différent etc pour les pouvoir parler là il est capable de résoudre uniquement par voie de consultation en deux parties. Et deux parties ont avantage yo mission avec le gouvernement haïtien, il a dit OK pour regarder cas mais comment il a géré ça et puis après ça, il a besoin on entend ou bien il a besoin une formule pour gérer ça. Ça est s'il pas écrit dans accord. Très bien. Non puis bah il dit toujours gay. En fil bah il dit oui. Mais pas oublier document ça l'autre pays ont pour signer le. Oui, tout l'autre pays qui a participé dans la mission. Déposer le document. Mais entre-temps, Haïti et Kenya déjà. Déjà. Et c'était un préalable. Et document ça, c'est un document sine qua non. C'est un document sine qua non. Mission a commencé hier, officiellement, guerrier Jason. Et mon chef de délégation Kenya, c'est Monica Juma. Oui. Et d'après information, à moi, ce que tu as changé, mission multinationale soutien. À sécurité, c'est quand même un agent de paix, de stabilité avec l'espoir. C'est sa chef délégation kenyane, lui-même lui fait qu'on est hier aux côtés de Gary Koni pendant la conférence, Monica Juma. Et madame Nandi guerrier de seul, population haïtienne, et maître était tête frais, sauf que il a demandé pour gouvernement, s'ouvrir ensemble avec citoyens, et supporter mission, qui sont éléments indispensables. Pour capable de réussir, Madame Juma souligné que MMSS là, ils sont mission de support à la police nationale et troupes a bien pour intervenir sous commande police nationale d'Haïti. Et Madame n'a expliqué tout que MMS là, les joint soutien plusieurs autres pays africains parmi eux Bénin, Sénégal, Tchad. Madame n'a continué solliciter l'aide de l'autre pays parce que d'après ça elle dit. Situation pays d'Haïti a préoccupé toute nation à travers le monde. Madame Juma a parlé. Maintenant, Gary Koni, devant la parole, nous t'ai expliqué qui ça a comme réaction par rapport à venir première troupe kenyane. Mais une question journaliste posée le tout guerrier, et c'est avec ça qu'on a conclu, sous appel au dialogue, que vivre ensemble fait à guerrier à travers chef gang Jimmy Cherizi, un peu le monde connaît sous nom Barbecue. Les mêmes c'est porte-parole coalition criminelle vivent ensemble. Eh bien, demandez à Gary Koni, est-ce que le courant de dialogue que avec Cherizier a parlé parce que pendant week-end là, on t'a regardé ça dans vidéo, chef gang Jimmy Cherizier demandé pour le ministre Gary Koni, attention, il est pas politicien, il pas dit, il pas date, il proposait une meilleure façon pour résoudre le problème sécurité là, c'est dialogue, j'ai parlé. Pas distribuer les armes dans le quartier. Vous ne pouvez pas occuper des politiciens qui ont plutôt devant pour venir prendre. Vous comprenez? Ils n'ont pas fait jouer les politiciens traditionnels avec une série de hommes d'affaires qui ont utilisé la violence à des fins politiques et économiques. Mon monde civil qui t'a fait tuer dans. C'est pas mal sur le bas. Oui, non, mon monde qui t'a tué. Vous avez ok, mettez les armes dans la main. Avec qui t'a parlé. Et puis. Reconnaître l'autorité de l'État avant toute l'autre disposition. Et n'a pas si nous avons fait ça. Nous avons reconnu par l'État de possibilité pour dialoguer. Oui, bon. Ouais, on est en parole. Et bien, tout.
On vit en parole. Parce que politique capte. Et puis déposer ça la masse, remettre pour remettre. Moi c'est moi même m'en fait. Ouais, mettez tout nos camions. Et puis m'a devin déposer là dans le commissariat Port-au-Prince. Bon contrôler yo, ou bien ça que dans mettre la plique, tu dans mes ISO et on aller là, vite l'homme et puis venir déposer yo. Et puis laisser comprendre yo. Et pas déposer puis et au gain contrôle d'accord. C'est pas déposer puis c'est au gain contrôle yo. Gargoni dit avant toute l'autre disposition guerrier de seul. Avant de regarder ça qu'a fait pour bagaille c'est déposer ça reconnaître autorité de l'État. Oui. Mais déposer les armes, comment est-ce qu'il n'y a pas le front de mes amis ou bien mes amis? Non. Pour venir, vous dites, attendez, non, monsieur Koni, nous déposons les armes, oui? Oui. Vous comprenez? Non, c'est pas facile. Oui. Nous sommes déposer les armes, c'est remettre les armes. C'est pas déposer les armes, il n'y a pas le fouiller trop. Il met elle, et puis après un an, deux ans, il y a allé encore. Son pays a. Une déclaration de fait, on l'a. Et par contre, ce sont j'ai tout, on est au pire jeune passé. Hein, ah, c'est possible. Ouais. On parle de Préval. Préval. Ah oui, c'est. Cimetière aux prisons. Oui, cimetière aux prisons. François même qui gagne. Elle s'est mauvaise là ça. Hein? Ok. Gaël connaît pas écarté possibilité. Non, ton qui est sérieux. Gaël connaît pas écarté possibilité pour un dialogue là. Il va dire non. Mais elle dit avant toute bagaille, c'est déposer armes et reconnaître l'autorité de l'État. Oui. Bon, c'est. Ça a passé. Dans la conférence de presse là, M. Koni a allé plus loin pour lui dire que nous tous fatigués. Et là, allé plus loin pour lui dire à la douce courri, ta douce, si tu as déjà un bouquet. Et ça, son parole qui dit. Elle dit. Et vous avez un bouton. À la douce courri, ta douce, si tu as déjà un bouquet. Peuple a fatigué par rapport à ce qui a passé. Et moi, certain. Et nous-mêmes qui impliqués dans l'acte banditisme, nous-mêmes tous nous-mêmes nous fatigués. Et c'est ça pour le ministre, déclaré dans un moment, il a fait une conférence de presse. Et dans la conférence de presse, guerrier du seul, il y a un chef de délégation kenyane, il y a un tout, nouveau directeur général de la police, là, M. Ramon Normil. D'après Gary Koni, la population a continué à supporter l'agissement haïtien pareil ça. Pareil ça et pareil. Yo. On parle de gangs. Haïtien pareil qui a multiplié des attaques contre des institutions et des biens. Et puis ils rendent du coup une série de zones dans le pays invivables et puis plonger un ensemble de familles dans des situations difficiles. Nous-mêmes qui sommes responsables de ça, moi je crois que nous ne sommes pas capables de supporter ça encore. Et moi certain, nous fatigués avec la destruction ça que nous créons. Moi sûr, moi certain. Que nous tous prêts pour nous faire mea culpa. Et c'est ça numéro un gouvernement lui-même l'a déclaré hier, guerrier Dieu seul. Et dans le moment là pour finir, il a son appel à une prise de conscience. Ok? Bon côté si là qui participe dans la destruction du pays, on a le fait qu'on est au passage que l'État a pris des dispositions. Dans le moment là, parlé là, l'État a pris responsabilité pour capable affirmer en tant que tel et puis voler au secours de la population tout entière. La Koni, guerrier du seul, a parlé comme ça. Dans un moment, eh bien, il t'a présenté et exprimé gratitude au gouvernement haïtien, au gouvernement kenya par rapport à l'arrivée pour les premiers contingents. Pays kenya, ou bien policiers kenya, dans le pays d'Haïti. Voilà pour l'essentiel de ce qui s'est passé entre hier matin. Hier après-midi, autour de forces là qui officiellement rentrent dans le pays hier à partir de mardi 25 juin 2024.